Alors, bonjour à tous, bonjour Internet. Aujourd'hui, une vidéo très simple, rapide et surtout vidéo efficace. Car, comme vous avez lu dans le titre, oui, il est possible de farmer du ticket 4 étoiles et du ticket 6 étoiles spécial moteur. Alors, en effet, dans la dernière mise à jour, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, donc c'est celle du 23 juin 2022, il y a 3 extra menus qui sont arrivés, donc dans le menu café, accessibles à un certain niveau de collection en ayant terminé les précédentes missions, évidemment. Et dans ces missions, du coup, on peut générer 2 tickets, 2 roulettes que vous gagnez en ayant collectionné certaines voitures sans faire de course. Et donc, si vous avez bien suivi, évidemment, c'est ces 2 tickets qui vont nous intéresser. Alors déjà, on va aller regarder et voir, par exemple ici, donc j'ai effectivement un 0 ticket à un affiché, j'ai fait 0 km, j'ai pas encore roulé de la journée. Et dans les pièces de préparation, vous voyez que j'ai déjà 2 moteurs de RX-7 en stock. Parce que j'ai fait la technique pour essayer de voir si ça marchait quand même, mais avant de vous faire une vidéo, évidemment. Et donc, ça marche. Alors pour cela, c'est très simple. Vous ouvrez votre jeu, et vous allez directement dans le café. En fait, on va aller revoir les menus de collection dans un certain ordre. Et quand on va ressortir de ça, on aura les tickets. Et donc on aura juste à recommencer la procédure pour les générer autant de fois qu'on veut, bordel de merde, si vous voulez tous les moteurs. Donc du coup, la méthode, la voici. Vous ouvrez votre menu café, vous allez dans le menu, donc ma collection. Vous ouvrez le premier livre des menus, le numéro 1, les compacts japonaises. Vous le démarrez, donc pour que Lucas vous explique toutes les histoires qui allaient autour des voitures. En fait, on va revoir toutes les scènes par rapport à ça. Alors évidemment, on n'a pas besoin de se retaper tous les textes. On peut skip au plus rapidement. T'es bien gentil Lucas, mais moi j'ai déjà terminé le jeu une première fois, donc je connais déjà les textes que tu m'as racontés. Alors, on ne le relance pas, une fois qu'on a du coup lu le premier menu de collection, nous descendons en bas, vous allez dans menu supplémentaire, et donc les deux menus qui nous intéressent, c'est le premier et le troisième. Donc, tout simplement, on va ouvrir le premier, collection Toyota 86, la Hachiroku. Et donc là, même procédé, on n'écoute pas Lucas, parce que du coup, encore une fois, on a déjà lu les textes une première fois, vu que vous êtes censé les avoir terminés. On peut skip. Pour aller au suivant. Directement au numéro 3, vous suivez collection moteur rotatif. Donc c'était les deux menus, c'est ces deux menus là dans lesquels on peut gagner des tickets. Le menu numéro 2 c'était pour gagner une voiture, donc du coup ça marche pas pareil je suppose. Donc encore une fois même procédé, vous ouvrez, vous lisez la cinématique. Merci Lucas, mais moi j'ai déjà vu la vidéo de Villebrequin, je connais le moteur rotatif. Il y a beaucoup de texte, hein. On y va. Et donc une fois que c'est terminé, vous pouvez tout simplement quitter le menu à coup de rond hein, sur votre manette. Et regardez ce qui apparaît sur mon icône de garage. 2 tickets. Et pourtant je n'ai toujours pas roulé, je n'ai toujours rien fait. Mais pourtant les 2 tickets sont arrivés. Et vous allez voir que c'est effectivement bien un ticket 4 étoiles. Et le ticket 6 étoiles spécial moteur. Et donc comme ça, vous pouvez juste directement les ouvrir. Donc allez, on va voir, on va se faire plaisir. Ticket 4 étoiles, allez, donne-moi mes 5 000 crédits. Oh, il y a quand même un moteur qui traîne, hein, je dis ça. Une Huracan et 1 million. Alors, et bah écoutez, en plus on est chanceux. Alors, waouh. Eh, bah dis donc, elle va faire début cette vidéo. 1 million de... C'est diabolique. Ça marche super bien, la preuve. Voilà, 1 million, il me restait plus rien en crédit. Je suis refait. On va ouvrir le ticket du moteur. Et donc espérer avoir autre chose qu'un moteur de RX-7, parce que bon, j'en ai déjà 2 en stock. Et c'est donc un moteur de Toyota Supra RZ. Alors, faudrait que je retrouve la liste rapidement. Alors du coup, j'ai trouvé, car sur le site GT Planet, si vous voulez, vous avez toute la liste avec vraiment tous les moteurs qui sont disponibles en fait dans le jeu et sur quel modèle ils vont. Là par exemple, mon moteur de 2JZ GTO Supra peut se monter sur une Nissan Silvia S15, une Subaru BRZ de 2021 ou une GR86, ou encore une Toyota Yaris de 2020. Donc je pense qu'il y a une de ces 4 voitures qui va devenir prochainement un monstre. Et donc si vous voulez faire la même chose, vous avez maintenant la technique. Vous pouvez aller farmer vos tickets. Faites-vous plaisir, je pense que ça marche sur PS4 et PS5. Et profitez-en avant que sûrement ce soit patché, parce que je pense que Polyphony Digital va très vite se rendre compte. Et d'ici là, eh bah, abonnez-vous à cette chaîne, n'hésitez pas à mettre un like si ce tuto vous sert, et à partager
Parce que moi, je veux bien prendre des vues sur un tuto comme ça. Je suis diabolique. Et je vous dis au revoir, à la prochaine.